Coucou les filles, alors je vous retrouve pour vous faire une vidéo. Donc là je suis avec mon appareil photo puisqu'on m'a dit que plusieurs personnes m'ont dit qu'avec l'appareil photo ce serait mieux. Le problème c'est que je peux pas me contrôler, donc j'espère que je suis pas floue. Enfin j'essaye pourtant de voir par derrière, mais le problème c'est que moi j'ai pas de cadre, de vidéo de contrôle. C'est une vidéo sur mes soldes, donc j'ai fait quelques achats, ce sera sûrement les soldes que je ferai. J'ai fait Kitco, Sephora, The Body Shop, j'ai fait une commande de The Body Shop, j'en ai une autre qui doit arriver et je me suis acheté des chaussures et je crois que c'est la meilleure affaire que j'ai dû faire. Donc je vais commencer à la limite par les chaussures. Donc le nom du magasin c'est JD France. Alors je parle vite parce qu'en fait je n'ai que 10 minutes de vidéo à chaque fois. Donc vous allez savoir pourquoi. Et donc j'ai pris des Converse qui sont comme ceci. J'espère que vous voyez que je suis dans le 4. J'espère. Donc elles sont roses et grises. Et donc avec le truc All Stars Converse, enfin bon bref. Donc au lieu de 60€, je les ai payées 30€. Donc c'est une bonne économie. Donc j'ai fait une commande The Body Shop. Donc sur la page Facebook de Kirikou, j'ai vu qu'ils faisaient une offre. 5 produits pour 10€. Donc évidemment je l'ai fait, j'en ai pris 2 pour le concours et le reste c'est pour moi. Donc je me suis pris un mini beurre corporel à la cerise. Donc depuis le temps que j'en rêvais, je suis trop fan. Ça sent pas très fort. Je pensais que ça sentirait plus la cerise, mais je kiffe quand même. J'ai les pris en gros à la cerise, la framboise, n'importe quoi. Alors ça je suis complètement fan. Je kiffe, et vous allez pouvoir constater que j'ai refait un petit peu mon stock de beurre corporel. Et j'ai pris des petits savons en cœur au chocolat. Donc pour l'instant je ne vous fais pas de zoom, rien du tout, parce que c'est pas du maquillage, donc on s'en fout. Donc voilà, ça sent très très bon. Je vais essayer. Ça sent bon, mais je ne sens pas que ça sent le chocolat. Mais bon. Et moi, et donc je vous ai pris 2 trucs... pour le concours que je ne vous montrerai pas évidemment. Hier j'ai fait les soldes avec mon chéri, on n'a pas non plus de grosses soldes. Donc j'ai été chez Kiko. Donc chez Kiko j'ai essentiellement acheté des trucs pour vous, mais je me suis pris quelques petites choses. Et chez Sephora, alors Sephora j'ai entendu beaucoup de mal sur les soldes qui a été dit, genre qu'il n'y avait pas grand chose de bien, etc. Et ben moi dans le mien, sincèrement, j'ai eu que des bons trucs. Enfin j'ai été super agréablement surprise. J'avais du Urban Decay, du Make Up Forever, du Lancôme, du Guerlain, du Yves Saint Laurent. J'avais des trucs vraiment très très bien. J'étais super contente. Oui, le retour de ma fille. Je suis désolée, hein. On est vendredi. Ah, il est 17h, donc les enfants sont là. Hein. Donc, je vais commencer par le premier truc. Donc, c'est une aqua cream de chez Make Up For Ever. Donc, la solde. Je l'ai eu à moins 30%. Donc, au lieu de 20,50€, j'ai payé 14,35€. Donc, je sais pas si... Non, vous verrez pas, moins que je fasse... Bon, laisse tomber, du coup moi je suis floue. Voilà. Et donc c'est la numéro 21. Et c'est la bleue en fait. Et elle est trop belle. Pourquoi je la sens, on sait pas. Donc c'est la bleue. Je sais pas si... Je vous ferai des photos et j'y mettrai les swatchs comme la dernière fois. Ensuite, j'ai pris un beurre corporel, comme beaucoup d'entre nous. Si vous en y achetiez 5, vous aviez une baignoire offerte. Moi, j'en ai pris qu'un, à la Nanas Grenadine. Donc, au lieu de 9,90€, on les avait à 2€, donc c'est marqué là. Et je suis un peu déçue parce que je trouve pas que ça sente beaucoup la grenadine.
en fait. Mais bon. Top. En plus, il n'y avait pas de testeur. Moi, je cherchais celui à fraise framboise, c'est une tuerie internationale. Mais ça a été dévalisé, les beurres, en fait. Ensuite, j'ai pris des phares Fred Ferruccia. Donc, j'ai trouvé ça intéressant parce que 15 euros, ils étaient à 4,50€, donc moins 70%. Il y avait plein de phares Fred Ferruccia, il y avait plein de blush également. Enfin, bon, franchement, non, moi, j'ai été vraiment très étonnée des sols. Il y a plein de parfums intéressants et tout. Alors, c'est un bleu turquoise avec un gris argenté pailleté. Donc, c'est pareil, je mettrai des photos. Je pense que vous voyez. Et pour les swatchs, j'espère que vous les voyez. Ensuite, j'en ai pris un deuxième, donc je vais pas dézoomer, ça sert à rien. Donc c'est le numéro 27. Et voilà, celui-là il est. Celui-là il est violet et argenté, qui tire vers le violet avec des paillettes de toutes les couleurs en fait. Donc j'ai pris un vernis chez Sephora, le Silver Rain, et donc ce sont plein de petites paillettes de toutes les couleurs, mais en barre. J'ai pris ça, c'était pas soldé évidemment, vernis Sephora. J'ai pris deux vernis Nye INC London. Donc il est à moins 50€, 14, j'ai payé 7. Donc j'ai pris le Kono Square. C'est un bleu avec plein de paillettes. Plein de paillettes violettes. Magnifique. J'ai pris le Cambridge Terrace. Donc c'est un argenté en fait. Mais il est magnifique posé sur les doigts. Je ferai des swatchs et tout. Ensuite, alors ça c'est les choses les plus intéressantes que j'ai trouvées chez Sephora. Ah non, j'ai acheté deux boîtes comme ça en fait. À 50 centimes au lieu d'un euro 90. Bon, c'est un petit peu une bêtise, mais j'en avais besoin. Donc tant qu'elles étaient là, je les profitais. Alors ensuite, le plus intéressant que j'ai trouvé, et que j'étais trop contente de trouver, ce sont des trucs Urban Decay. Donc j'ai trouvé deux blushs compacts, enfin liquides, crème, enfin je cherchais le nom, deux blushs crème. Donc déjà les packaging, je surkiffe. Donc le premier c'est le Crush, ah non attendez, je veux dire les prix. Au lieu de 19€, je les ai payés 13,30€, donc c'est pas une grosse réduction, mais je trouve que c'est pas mal. Et donc le premier c'est le Crush, donc c'est un truc hyper rose et tout. Mais je les ai essayés, et franchement bien estompé, c'est magnifique. Évidemment, les swatchs arriveront en photo. Et le deuxième, c'est le Quickie. Donc c'est celui-là. Donc il est un petit peu moins rouge. Mais il est quand même. Il est quand même magnifique. Ils sont sublimes, franchement. Ensuite, j'ai pris, alors ça c'est ma meilleure trouvaille, donc c'est la crème de teint poudrée, donc c'est le fond de teint crème en fait. Donc vous voyez, enfin je sais pas si vous voyez, il était à moins 70% et 32€, j'ai payé 9,60€. Je suis trop contente, il en restait 3, dans les 3 il restait ma teinte, sachant qu'il y a 5 ou 6 teintes. Et donc moi c'est la teinte Illusion. Donc il est comme ça, donc il y a un miroir évidemment, et hop, en dessous vous avez un pinceau que je vais garder pour faire le contouring, enfin le creux des joues. Ce packaging il est magnifique, et c'est super couvrant, vous voyez c'est ma teinte, si vous le voyez pas, c'est normal, c'est magnifique, franchement je suis super contente de cette, trouvaille. Donc en plus j'avais 15€ de réduction, donc
Au lieu de payer 109 euros, j'ai payé 72 euros. J'ai eu une remise de 109 euros 75, les filles. 109 euros 75. Bon, c'est quand même génial. J'aurais dû payer presque 200 euros, quoi. J'ai fait le The Body Shop. Et donc là, c'est pareil. De très bonnes affaires. Non, mais ne mets pas devant. J'ai pris un gros beurre corporel. Un gros beurre corporel à la noix de coco, donc de 300 ml. Donc ceci coûte, il me semble, 20 euros. Et moi, je l'ai payé 10 euros. Ça sent trop la noix de coco. Ça sent l'été et tout. C'est trop agréable. Voilà. Ensuite, j'ai pris celui aux fruits de la passion. J'ai découvert une passion, c'est le cas de le dire, pour lui. Donc lui coûte normalement 16 euros et donc je l'ai payé 8 euros. Donc ça sent trop bon. Franchement, j'adore. C'est un 200 ml. Donc moi, je me fie pas trop au... Ça, c'est une peau normale à sèche. Ou je... Bon, voilà. Coconut, c'est peau normale à sèche. Pff, je me fie pas trop, en fait. Je me fie à l'odeur. Donc au lieu de 8 euros, au lieu de 16 euros, 8 euros, j'ai foncé. J'ai aussi pris cette petite trousse. Donc dedans. Alors, j'ai pris cette pochette. Donc c'est l'édition limitée vanille gourmande. Donc c'est l'édition de Noël. Donc j'ai déjà pris le gel douche tout seul. Mais là, quand j'ai vu la pochette au prix qu'elle était, je me suis dit, il faut que je la prenne. Sachant que j'avais mis le beurre et la crème pour les mains. Et j'en avais déjà presque aussi cher que le lot. La vanille gourmande, le beurre corporel, c'est une tuerie. Alors le shampoing, ça sent la crème glacée. La crème pour les mains, elle sent terriblement bon, c'est juste terrible. Je suis trop fan. Et nous avons un petit baume à lèvres de cette forme-là. C'est très marrant, je trouve. En fait, ça s'étale comme ça. Hein. Et il y a des petites paillettes dedans. Et il sent bon. Très très bon. Je n'ai pas testé. J'ai testé avec la crème pour les mains. Donc au lieu de 36 euros, j'ai payé 20,60 euros. Donc 20,60 euros, c'est le prix du beurre avec le gel douche. Et en dernier, j'ai pris un beurre corporel à la framboise. Comme j'avais fait 30 euros d'achat, et ben j'avais le droit à un beurre corporel à 1 euro. Alors vous pensez bien que je l'ai pris. Ça sent trop bon. Et je sais plus, il y a framboise. Non, je crois qu'on prend n'importe lequel. Je sais plus. Parce qu'elle en avait devant elle, la dame, enfin la vendeuse. Elle m'a dit, donc vous avez le droit à un beurre corporel à 1 euro. Je lui ai pas dit non. Hein. Quand j'ai vu qu'elle avait le framboise, elle m'a dit, ah, mettez-moi le framboise, mettez-moi le framboise. Ensuite, je suis allée à Kiko. Donc à Kiko. Donc j'ai pas acheté grand chose. J'en ai eu, je crois, pour 30-40 euros. Mais je vous ai acheté beaucoup. Enfin, j'ai acheté quelques trucs pour vous, en fait. Enfin, pour le concours, quoi. Puis les soldes n'étaient pas non plus. C'était pas non plus des trucs magnifiques, quoi. Donc je vais faire un zoom. Alors, j'ai pris de la collection de Noël un glitter Snailaken, donc c'est le 403. Donc c'est un espèce de rose rouge avec des paillettes, en fait. Et je l'ai payé, normalement il coûte 4,90 euros, je crois. Il y a une réduction de 30%. En fait, la collection de Noël, il y avait 30%, et la collection d'hiver, il y avait 50%. Donc j'ai pris une palette aussi. Je sais pas si vous voyez. Voilà. J'ai pris une palette, donc c'est la 02 Luxurious Golden Plum. Et elle est magnifique. En fait, c'est une palette. Voilà. Là, vous voyez pas bien les couleurs. Bon, j'espère que si. Violet, noir, bronze, doré.
je vous ferai des swatchs et je les mettrai en photo. Et ça, au lieu de 12,90€, je l'ai eu à 9€. Bibi, non! Ensuite, j'ai pris un rouge à lèvres, donc de la collection de Noël toujours. Donc je l'ai eu à 4,80€ et je crois qu'ils étaient à... Vous faites la déduction, c'était du moins 30%. J'essaierai de vous marquer le prix quelque part. Et donc j'ai pris le numéro 4, Pepper Red, et donc c'est un rouge. Il est magnifique. Il est rouge quoi. Mais bon, en ce moment, je suis dans ma crise des rouges. Elle dure quand même, elle est assez longue. Ensuite, j'ai pris un Smart Lip Pencil. Ils étaient à 1,90€ au lieu de, je sais plus, 3,90€, je crois. C'est le 705 et donc c'est un rouge. Un rouge orangé. Et j'ai pris une Color Sphere, la collection permanente, que j'ai payé. Mais non, je ne l'ai pas payé. Voilà, 3,90€. Je crois que c'est son prix normal. Mais vous en aviez qui était descendu, qui était en réduction. Donc moi j'ai pris la 03. Et moi je vais l'utiliser en highlight, comme ça. C'est joli je trouve. Donc voilà, pour mes soldes à moi. Mes soldes d'hiver, donc j'achète pas beaucoup de vêtements. C'est vrai que je suis pas très vêtements. Surtout que moi je vais, j'ai pas besoin que ce soit les soldes pour m'acheter des vêtements. Je vais vous faire évidemment des bisous, hein, comme d'habitude. Et puis bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez fait vos petites soldes également. Que vous aurez pas trop fait de folie. Et je vais vous faire plein de bisous. Et je vais vous dire à la prochaine vidéo. Bye bye!